chien. Putain, faut que je tienne un coup là. Oh non, putain, en plus c'est horrible contre Elise. Oh. Brand, c'est très mauvais contre Elise. Allez, Azagi, fais le taf. Ulti Shogat, Ulti Shogat, Ulti Shogat. Non, il s'est fait démoniser. Ok, j'ai un plan. Yes. Mais là on teste les gars, ok? Je suis toujours en test Yordle. En fait, dès que je vois la possibilité de faire Yordle ou élémentaire, je le fais. Et je sais pas ce que ça vaut. Parce que sinon le jeu, vraiment le jeu de A à Z, il faut le jouer avec ce que vous donne le jeu. Et genre par exemple si te donne genre 4 pistoleros, 5 bagarreurs et 3 néants, bah tu joues avec ça quoi. Et genre tu sais, t'essaies de faire un truc. Et normalement, vu que t'as déjà des trucs un peu stuffés, tu vas loin. Mais il s'avère que j'ai gagné plusieurs fois, j'ai fait pas mal de top 1 en forçant l'élémentaire. Et je me demande si c'est pas genre juste sleeper OP quoi. L'élémentaire. C'est pour ça que j'ai envie de traîner quoi. Varus belle flèche. Nul Varus putain, avec sa flèche perforante. Qui rate une fois sur une. Est-ce que t'as testé une compo full knight? Oui. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'avec les 6 chevaliers, c'est très fort. Mais le truc, c'est que les champions n'arrivent pas à attaquer sur le board. Parce qu'il n'y a pas cette case. C'est extrêmement frustrant. Élémentaire OP, tu peux l'avoir tellement tôt dans la partie. Oh, salut, Nudel Queen. Mais longtemps. Élémentaire, c'est vraiment très, très fort. En fait, pour moi, élémentaire, je pense que ça t'assure un top 4, en gros. Ça paraît con à dire, mais... Faut juste qu'au stade 3.4, t'es pas moins de 50 HP, sinon c'est un peu la merde. Fuyez tant que vous le pouvez. Si tu tombes sur Brand, oui, mais après tu tombes toujours sur Brand. Genre c'est comme un Draven, c'est le même ratio. Il faut juste que tu sois le level. En fait, il faut que tu tankes jusqu'au level 7. Et après ça dépend juste du jeu. Si t'as genre, si t'as 10 HP mais t'es level 7 avec 50 gold, bah tu vas pas chercher le level 8. Tu vas juste essayer de maxer au maximum ta compo level 7. Si par contre t'as 70 HP au level 7 et que t'as encore des gold, bah autant aller chercher le level 8 parce que dans tous les cas tu peux perdre 4-5 fights, c'est pas trop grave. Mais par contre, sur le long terme, tu auras un champion de plus par rapport aux autres. Ça dépend juste de tes HP, c'est pour ça que c'est bien de gagner. Moi je pense que c'est toujours très bien de gagner. En early. Il y en a qui disent oui, c'est bien d'avoir les loose pour avoir la priorité carousel. Je l'entends, je suis pas contre. Mais je pense quand même que c'est très bien de gagner pour sécure le late game. Donc si tu veux et gagner et économiser, en fait, t'as juste gagné la partie. Ah putain. J'aime pas du tout ce qui me donne le jeu là. En fait, je devrais attendre pour savoir ce que le mec a en face de moi, savoir si je peux gagner 100. Ou avec. Tiens, genre là, il a quoi? Il a Harry, Elise. Ouais, il faut quand même que je tanque. Là, je pense que je peux gagner. Putain. Parce que là, la RM sur Elise en early, c'est vraiment pas bon. C'est pas beaucoup de champions RM. Et là, tu vois, lui, je l'ai mis 200 HP de plus. Et vous voyez, là, il a 110 HP, le Warwick. 140. Donc les 200 HP de plus que j'ai mis au Warwick m'ont permis de faire tanker un petit peu plus. Donc, selon chose, si tu gagnes, tu gagnes. Non, mais parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent ouais, c'est bien, je suis en loose track, nice guys, I'm gonna get priority carousel et tout. Je suis en mode non, gros, genre, t'as 50 HP quoi. Donc, ça dépend. Si en fait, t'as pas le choix, si tu touches pas ta compo, oui, bon, bah autant avoir ça. J'ai l'impression qu'il y a un appel des pistoleros. Quoi. Je crois qu'on a l'appel des pistos. Ça m'énerve parce que je dois le virer lui. Ah, j'aurais dû mettre ça. Le pistolero, ça va rien dans lui.
select avec ça à la limite. Je sais pas ce que je fais de select. Ouais. Nice. C'est pas Gob qui dit ça. Non, mais. En fait, c'est pas grave. En fait, c'est. Tu peux. Si tu loses en chaîne, disons que c'est. Enfin, c'est comment expliquer? Genre, si je vous mets par exemple une note à l'école, genre lose en chaîne, c'est genre 16 sur 20. Win en chaîne, c'est 18 sur 20, en gros. Mais par contre, si tu loses un peu et que tu gagnes une fois, c'est horrible. Donc autant pas chercher la lose, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, là je pense qu'on va jouer pistolero à 100%. Parce que je veux ce que le jeu me donne, on va pas forcément faire. Après, je veux quoi? Les pistos du néant? Les pistos du néant. Qu'est-ce que je pose en quatrième? Allez, un petit baba. On va croire en la flèche de baba. En fait, faut chain lose, mais en perdant le moins d'HP possible. Exactement. Et ça, tu peux pas le savoir. Ça, c'est pour ça que je trouve ça très dur. Tu peux pas savoir ce qu'il y a en face. Tu sais pas contre qui tu tombes. Il y a trop de facteurs qui font que tu peux pas prévoir une défaite. C'est ça que je veux dire. Allez, baba. Allez, baba, belle flèche. Belle flèche, monsieur baba. C'est pas mal. Belle flèche. Alors que de gagner en chaîne, c'est très simple, tu vois, genre t'es toujours devant, et surtout, tu vois, là, tous les combats que j'économise, ça me permet de tanker une grosse défaite plus tard. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je vais tellement économiser qu'il y a des gens qui vont commencer à me battre sur des all-in. Et sur StarCraft 2, par exemple, quand tu... S'il y en a qui ont joué à StarCraft 2, en fait, donc tu démarres avec ta base, et si tu grandis, donc tu peux faire une expand B2, c'est-à-dire que tu ajoutes une deuxième base. Donc tu vas miser sur l'économie. Tu vas avoir plus d'income, mais si le mec en face de toi te all-in sur une base, bah, il va avoir plus que toi en termes de ressources, et toi du coup, il va te casser la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir si l'ennemi sait que tu expandes ou non. Et là, dans ce jeu-là, c'est à peu près plus difficile, parce que tu ne sais pas qui est en all-in, et tu ne sais pas contre qui tu tombes, donc il faut tout le temps jouer l'économie, jusqu'à un moment où tu peux plus, en fait. Et par exemple, un truc que j'ai appris, c'est que je ne fais plus les 50 gold jusqu'à l'infini, parce que j'ai peur parfois de ne pas avoir le temps d'XP. Je pense que je pars sur Phantom Dancer. Ouais, là on va jouer. Dommage, c'est un Graves, mais bon. J'ai besoin de l'armure pour Tristana. Après, ça c'est pas mal. Hein. Vu que je joue avec Graves, c'est pas mal ça. Ouais. Tiens, on va cheater un peu. Ça c'est un petit cheat, je sais pas si ça marche. En fait genre c'est un truc que j'ai appris hier. En gros, si vous êtes full sur le board et qu'il y a un champion qui arrive et que vous ne touchez à rien, le champion joue quand même. Tu vois là j'ai 4, il y a 5 champions. Alors que si j'avais vendu un... Et là après je peux vendre des trucs, tu vois. Donc là je peux vendre genre ça, je peux vendre ça. Et je voulais quoi? Je voulais Tristana, Lucianne. Et je vends ça et ça. Ouais, t'as vu, c'est fort. Hein. C'est pas un bug. En fait, c'est un semi-bug abuse. Parce que. Genre, c'est. En fait, le jeu te. Enfin, je sais pas en fait comment est-ce que le jeu peut contrer ça. T'as pas honte de montrer ça? Bah non, mais c'est un truc qu'on m'a montré. Donc, je préfère vous expliquer pourquoi est-ce que je le fais. Et en fait, le truc ne peut durer qu'un round. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si je veux toujours le Grave du coup, parce qu'il donne pistolero. Non, je veux pas le Baba. En plus, c'est un énorme problème parce que tu peux rien changer à ta compo. Et généralement, tu veux pas le champion. Moi, j'ai eu de la chance que je voulais le champion. Qui était en. En fait, genre, il devrait faire en sorte que le champion soit pas dispo. Tu sais, genre. Qu'il arrive dans le slot, mais que tu puisses pas jouer. Mais j'avoue, comme je me suis fait avoir une ou deux fois par ça, je me dis. Salut tout le monde, je suis seul à ne pas pouvoir me login dans LoL. Ah bah là, je suis désolé mon bro, mais ici y'a pas eu de soucis. C'est pas un bug dans le sens où t'es bloqué. Bah exactement, en fait, genre c'est. Tout le monde le fait, mais ça te détruit. Ça te détruit ta game, parce que genre, imagine, t'as, je sais pas, genre, Veigar avec l'ARM.
parce que tu voulais de l'ARM, mais ça te casse la game. Genre tu perds un round, alors que là j'ai eu entre guillemets la chance, parce que c'est exactement ce que je voulais, mais... C'est genre beaucoup plus punitif que ça l'est pas, de l'autre côté. Donc je sais pas encore ce que je fais, je sais que j'ai les pistos. Avec les pistos, ce qui est pas mal, c'est d'avoir... Pike et pirate, mais je pense que je veux pirate du coup. Les pistos du néant. Check les overboard, ouais, mais là du coup je vais peut-être la perdre celle-là. Ok, il y a full sauvage, ok d'accord, il y a que des joueurs sauvages. Il y a que des joueurs sauvages, très bien. Je pense que je peux le perdre à ce round. Je fasse gaffe. Je sais vraiment pas ce que je fais. Parce que ce qui est sûr, c'est que je joue avec Graves, Lucian, Priest, GP. Ça, j'ai pas le choix. Putain, j'ai eu aucun item. Après, il faut que je vois. Parce que par exemple, un maître des lames pourrait être cool. Limite, tu vois. Dommage que j'arrive pas à faire grandir mon Graves. Là, je vais XP ou pas. Pour essayer de gagner. Là, je devrais perdre, normalement. Qu'est-ce qu'on joue avec ça? C'est de la enquête, non! Non, les enquêtes, c'est dans une semaine. Parce que Lucian, il est noble, ça m'intéresse pas. Graves, il est pirate, mais on touche pas les pirates depuis tout à l'heure. Il faudrait un Pike, et j'ai pas envie de jouer pirate. Tu vois, genre, par exemple, pirate avec TF, ça va être incroyable ici. Tristana, elle joue Yordle, j'ai pas très envie de jouer Yordle avec. J'ai que envie de jouer avec GP qui joue Maître des Lames. Alors oui, lieu sûr, Lucian, toujours. Allez, allez, Kha'Zix, allez, Kha'Zix. Nice, putain. T'as besoin de T1, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc si je joue GP avec Aatrox et avec... Atraven, hein. Il y a Morgana. Parce que du coup, je pourrais jouer démon sinon. Mais... Oh, il jouait Aatrox. Parce que si je joue GP Aatrox avec genre Draven, du coup, il me faudra un Swain et j'ai une compo ok. Ouais, on va tenter ça. Draven Swain. Ce sera un bon set. Oh, Lucian, dommage. Ah, dommage, s'il avait plus d'âge, peut-être. Et le Swain, il irait avec Draven en impérial. Et le Swain serait métamorphe, mais j'ai pas un autre métamorphe. Le Swain serait démon, mais il irait déjà avec le Aatrox. Il faut un truc pour tempo. J'ai rien pour tempo, putain, cette compo est chiante. Hein. On va juste mettre une grosse CGN après. Hein. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, ça me plaît. Il y a le Shen aussi. C'est dommage que le Grave soit si flingué là, parce que sinon je vais faire un gros switch. Sinon on fait un gros swap hein. Sinon on fait un gros swap hein. Parce que là, Graves, il a pas l'air de vouloir monter. Et je vais commencer à être weak, là. Pas de problème. Ouais, c'est normal. Tu vois, par exemple, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lui, il a 0 d'économie. Moi, j'ai 4 d'économie. Donc, c'est normal que je perde contre lui. Et lui, il veut tout miser pour tout remonter maintenant, ce qui est pas mal. Par contre, après, moi, normalement, je devrais outscale. Est-ce que tu vas pas reroll maintenant si tu veux les T1? Bah, en fait, je sais pas si je veux les T1. Ok, donc Draven est très, très, très alléchant. Je sais pas ce que je veux. En fait, genre, je veux pas. Sinon, il me faut armor. Il me faut juste armor, sinon, plutôt. Est-ce qu'il y a de l'armor qui traîne? Ah, il y en a un sur Kennen, il y en a un sur Gangplank. Ok, je prendrai de l'armor pour avoir Phantom Dance. Il en reste deux, c'est jouable.
Ouf. Ok, Kanen doit être vers moi. C'est bien, il ramène 3 gold, c'est cool. Parce que Phantom Dancer reste vraiment l'un des meilleurs items du jeu. Le mieux, c'est Rapid Fire Cannon, parce qu'il te double le range et empêche d'esquiver les auto-attaques. Mais je peux pas me permettre, parce que genre Arc Courbé, c'est l'item qui est le plus recherché. Est-ce que je laisse le Kanen? Je crois. Hein. J'ai pas besoin du... Je peux lock. En plus, j'ai 50 gold. J'ai aucun intérêt d'acheter ici. Il y a un Blitzcrank. Ouais, en plus, il y a le chêne Maître des Lames. Après, je sais pas si je suis strong encore. Ah, Gangplank, il a pas eu le temps de mettre ses barrières, la merde. Trop chaud la sortie de Twisted Fate là, putain, il y avait trop bien, pirate sorcier là. Tellement de choses à faire avec ça. La Tristana est jouée par les autres, du coup pas la peine de la laisser dans le bench. Y'a beaucoup de Tristana en face. Bonjour, nouveau sol. J'avoue, je pense que là les pistoleros ils sont en train de me bait là. Faut pas que je joue pistolero, je crois. Merci à Viva Porto pour ton abonnement. Est-ce que je lock encore? Parce qu'en fait là j'abuse du bug là je pense. Enfin c'est pas un bug, c'est ce que le jeu te permet de faire. Mais... Si je reste comme ça en gros, je peux encore lock, avoir des golds supplémentaires et garder 6 personnes sur le board. Je sais pas si ça vaut le coup, je pense pas. Ouais, il y a 7 personnes sur le board lui. Ah oh, il a force de nature, attends. Merci beaucoup Yuva Porto. Ok, il n'arrive pas à mettre son ulti. Là j'ai une compo très weak, enfin tout et n'importe quoi. Avec 4 pistoleros pas avancé, c'est naze. Oh là là, oh là là, ouh la fessée que je vais prendre. Oh la fessée. Lui il est un champion de trop là. S'il est arrivé. Alors sur quoi est-ce qu'on swap là ici? C'est ça qui me fait peur. En fait je sais pas sur quoi swap. Si je vire Tristana et Grey, j'aime bien garder Lucianne. J'aime bien garder Aatrox. J'aimerais bien garder Draven quand je l'aurai. J'aimerais bien garder Shen. J'aimerais bien garder Swain. Non, pas toi. Bah, eh. Fuck Vika. En vrai, j'ai pas de pike donc je peux jouer pirate. Si je joue avec Lucianne il est pistolero avec qui? Avec GP toujours, mais GP il est faible. C'est ça qui m'embête. Sinon je garde juste Lucianne GP. J'ai une BT pour Draven, ça c'est cool. Oh, nice, en parlant de lui. Mais arrête ça! Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je pense que je vais arrêter les pistoleros. Ah oh, putain, mais il y a un Graze maintenant qui arrive. Du coup, je jouerai pas avec Aatrox. Pour que Gangplank fasse des dégâts. Ouais, mais après. Oh non, mais Elise, c'est broken! Oh, le Lucian, il a mis une auto-attaque sur le board. Allez, gros bug pour ce login, ok. C'est chiant ça. Donc là j'ai encore beaucoup d'HP, je peux me permettre de tempo. Là on va poser Draven. A priori, tac.
Et je continue d'XP. Donc ça fait ça en gros. Est-ce que je garde les Graves? Est-ce que je garde Pistolero du coup? Je garde Pistolero, non? Non, c'est quoi les gens? Et on repart sur ce que je disais tout à l'heure. Triste, Graves, Lucian, GP. Draven, Shen. C'est pas mal, ouais. 4 Pistolero, ça commence à être bien. Le truc c'est qu'en fait maintenant le stuff sur mon Draven il est sur Tristana quoi, c'est ça qui m'emmerde un peu. Bah, à la limite je vire Tristana pour MF. Comme ça j'ai pirate en plus qui arrive. Et je mets tout le stuff là. C'est bon, j'ai un plan. Si je vire Tristana pour MF, j'ai pirate en plus qui arrive. Ça peut être pas mal. Là j'ai Pyke. Pyke me donnerait... Mais Pyke me perd. Mais en fait, j'aurais pirate, mais je vais perdre des fights, je crois. Ça donne quoi les 4 pistoleros? En gros, ils attaquent tous les champions qui sont en range. Ils ont 50% de chance d'attaquer une deuxième personne qui est à portée. Tous les autres ennemis à portée. Ce serait mal expliqué. Prends le Kha'Zix. Ouais, mais le Kha'Zix, en fait, je vais pas le jouer. Il va être vendu, le Kha'Zix. Mais qu'est-ce que tu fais à partir ici? C'est frustrant. Il faudrait un Swain en 7ème, je pense. Bonjour, nouveau sub. Bienvenue. Oh, Lucky Chen qui a fait le taf. C'est pas mal, on est en train de gagner un peu là. C'est trop trop bien. On est à 50 d'économie, 60 HP, on est en train de gagner, j'aime beaucoup. Ça nous permet vraiment de respirer. Et merci beaucoup à Daimos974 pour son abonnement. Merci et bienvenue dans la famille. Merci de ton soutien. Sinon, il y a ça. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Putain, le maître des lames peut me faire un truc de fou, en vrai. Je peux jouer 6 maîtres des lames dans ce cas-là. Ok, je peux plus. On joue quoi, là, du coup? Putain, mais je fais quoi, du coup, comme item? Je peux quoi faire, moi? Qu'est-ce que je fais moi? Soit tu renforces le Graves ou vire la Triss pour le stuff Draven. Après il y a double Brando. On peut turn en élémentaire mais... Non non non, n'oublions. Putain, après il y a double Brando quand même. Double Brando, ça se refuse jamais. Il y a Aatrox qui arrive. Putain, mais double Brando, tu peux... Vraiment pas refuser ça. T'as streamhack by the way, possible, possible. Bon, les Kha'Zix ils vont tèche de la game anyway. J'ai plus de Kha'Zix. On va continuer d'XP doucement. Le truc c'est que si je joue avec Brand, j'aimerais bien avoir élémentaire, mais élémentaire arrivera trop late dans ma compo. Il faut Swain et tout. Alors je pense que juste Brand tout seul c'est bien. Juste Brand. Merci Coup de Bambou pour ton abonnement. C'est la demi-année, yes, on est là. Merci gros. Et en fait j'ai envie de virer GP pour avoir Aatrox. Mais je vais perdre mon... Enfin, si je fais ça j'ai démon. Et je perds Pistolero. Alors là, ça ne se refuse pas du tout. Je sens que les pistoleros vont nous faire perdre cette partie. Kha'Zix tout seul ça sert à rien, j'aurais dû mettre Yasuo. Tristana elle montera jamais. Parce que je vais regretter d'avoir du stuff sur Tristana et tout là. Sur Draven je mets le même stuff, genre je pense que je gagne la game toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Draven met des vraies patates. Putain, regarde le... Oh, le nombre de crits qui a été tanké. Putain, heureusement. Hein. Non. Nice. Okay, let's go. Pistolero va tège. Hein. Pistolero va tège, les gens. J'aurais dû acheter Lissandra, du coup. Merde, c'est une connerie. Pistolero va tège.
reste l'héros, bah full tège. Genre Lucienne sert à rien, Grave sert à rien, Tristana sert à rien. Je crois, non? C'est un peu risqué ce que je fais comme transition. Il faut que j'ai Swain et tout. Ah merde, j'ai un champion à mettre. Okay. Ah, j'aurais dû mettre Yasuo ici. J'oublie. Le Lucien sert plus que la Triste ou le Graze. Ouais, limite, le Lucien est bon, quoi. Non, déjà, Graze, il va tège, je pense. Ouais, limite, je garde deux pistoleros. Je peux garder deux pistoleros. Mais j'aimerais bien virer Tristana, parce que Tristana, elle a le save de mon Draven. Déjà, en fait, j'ai trop d'options là. En fait, à part si je touche Kennen et Lissandra là, c'est chaud. Garde GP et Lucian. Ah, limite en vrai. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. On assume. Pour l'instant, je vais faire un truc comme ça. Enfin, juste que mon Draven grandisse un peu. Là, il va commencer à casser des bouches. Ça va faire mal ça. Ça va là. Ça va là. Après, ça serait pas mal d'avoir ça. Je préfère ça pour l'instant. Et ça va là. Non. Et ça va là. Oula. Voilà, ah, lui il m'a atomisé par contre. Pas avec level 3 Shogun, c'est pas ouf. Le Darben a fait le taf, frère. Il a quelques level 3 lui par contre. Maintenant, ok, j'ai un truc un peu correct. Il manque un maître des lames, il manque Fiora, mais je l'aurai sûrement pas. Pour avoir 6 maîtres des lames. Darius level 1. Darius il va être remplacé par Swain. Donc pour l'instant, j'aime bien notre compo. Même si Lucien est GP, enfin Lucien sert pas à grand chose. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon les gars. Ça on kiffe. À la limite, je mets ça. Là, ça va fou la Zaggy. En fait, je peux turn élémentaire. Bon, Lucian, il montera pas. Kha'Zix, il dégage. GP, on peut. Darius, on peut. En fait, je vais voir entre Sejuani et Cho'Gath qui monte. Mais là, je commence à avoir une compo un tout petit peu weak, je pense. Ah, Shen a pas mis son ulti, dommage. Oh, l'ulti d'Azagi! Ah, bah j'ai fait CC. Faut que j'ai un Draven 2. Faut que j'ai un Draven 2, sinon ça va être compliqué. Parce que là, il y a quand même 400 champions level 1 dans mon équipe. Et j'ai pas de Fiora, sinon j'aurais pu 6 mettre des lames. Ok, bon, là. Oh! Surprenant. Du coup. S'en fout. Ça, on s'en fout. Je sais plus ce que je veux en vrai. Il est temps de frapper. Comme ça. C'est un peu walou mais on prend. On est sur du Walou. Je vous le cache pas. Compo Walou. Et Yasuo est arrivé. Manière aléatoire. Oh ouais, non, mais t'as Elise aussi. Ouais. Non. Mais quoi? Compo Walou, les gars. Non, mais j'ai un plan. J'ai un plan. Ne vous inquiétez pas. Moi, je peux m'inquiéter. On est top 5. Tiens! J'ai plus de plan. On veut quoi?
Voilà, j'ai un plan, les gars, j'ai un plan. Voilà le plan. Non mais tu montes pas maintenant toi. C'est bon mon plan? Est-ce que c'est un bon plan ou pas? On accepte le plan? C'est un bon plan ça non? Juste que j'ai Draven. Ça serait cool d'avoir un Draven d'une fois quoi. Famoso flan. Ah là les gars, le plan il est bon, le plan il est bon. Il est bon le plan. voilà, c'est mon seul plan que j'avais les gars. Maintenant ça va être chaud. Est-ce que là je grid? Vous allez m'engueuler. Ah vous allez m'engueuler, vous avez raison. Je vais m'engueuler moi-même. Il est temps de frapper. Je peux pas le poser. Oh. Chien. Chien. Putain, faut que je tienne un coup là. Oh non putain, en plus c'est horrible contre Elise. Oh. Brand c'est très mauvais contre Elise. Allez Azagi, fais le taf. Ulti Shogat, Ulti Shogat, Ulti Shogat. Non, il s'est fait démoniser. Ok, j'ai un plan. Chut, j'ai un plan. Un plan. J'ai un plan. J'ai un plan les gars, j'ai un plan. C'est pour le suspense. Nous allons vivre quelque chose d'assez incroyable. Si je perds contre ce dragon, il risque d'y avoir des complications. Et là, j'aurai peut-être pas de plan. Si, si, j'ai un plan, Dev, j'ai un plan. Tiens, voir, j'ai un plan. Faut juste pas que je perde contre ce dragon. S'il vous plaît. Non, Draven, t'aligne pas. Stun. Stun, Isandra. Mais stun pas toi. Nice. Okay. C'est bon, j'ai mon plan. C'est quoi? Oh, c'est naze. On s'y retrouve pas avec ça, je vais pas avoir un zap. Je suis si lent. À combien de Kennen? Je pense que je préfère ces génies à Shogat. Aïe! Los Assassinos! Après, il tombe sur mon chaîne, c'est pas mal. Oh, Yasuo s'est fait éclater. C'est pas mal, les gars. Ok, top 3, j'ai un plan. J'ai toujours un plan, les gars. Vous doutez de moi, mais j'ai un plan. Il faut qu'on vive ensemble. Alors ça c'est bon. Qu'est-ce qui est pas bon là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'AP? Très peu. Bon, je pense qu'ils vont se faire zapper hein, on a un HP. Ouais, ils vont se faire zapper. Non. J'ai un plan les gars, j'ai un plan, les gars.
El Famoso en HP. Oh putain, El Famoso en HP. Bon là, il y a Jogon quoi, Anivia. J'ai un plan. J'avais un plan! Tout le long, j'avais un plan!